Et si je te disais que j'étais caché dans le décor? Essaye de me retrouver. Ouais, je suis dans le décor, je triche pas. Je suis juste là. T'arrives toujours pas à me trouver? Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psytrak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, on va pas perdre de temps, hein. On va aller essayer des copies de GTA. Sur mobile. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Yeah, parce que je sens le truc venir, je sens que ça risque d'être claqué au sol, mais c'est tout quoi. Tout d'abord les amis, avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à lâcher la petite pouce bleu, ça pourrait faire extrêmement plaisir et me soutenir. Je vous ai pas encore remercié en vidéo pour les 4000 abonnés, mais... Merci, 4000 bisous. Et donc du coup les potes, nouvel objectif, et bah bien sûr, 1 million d'abonnés. Non, plus sérieusement, on est en route pour les 5000 follow, let's go baby. Donc les amis, je veux pas perdre de temps, n'hésitez pas à dire en fin de vidéo le jeu que vous trouvez le mieux fait, hein. S'il y en a un, s'il y en a aucun, tu peux le dire également, hein. Et puis sur ce, on perd pas de temps et on part directement voir le premier jeu. Let's go baby. Donc les potes, nous voilà sur le premier jeu qui s'appelle Grandiose Bandit, la criminality. Enfin, la criminalité. Ouais, comme vous pouvez le voir, il y a de l'action dans ce jeu, il y a de la voiture, il y a des armes... Bon, on va tester tout ça. Par contre, petit bémol, il a une seule note et une étoile. Et... Je suis dans. Donc les potes, nous voilà sur le second jeu, et le second jeu, du coup, il m'a l'air d'être un peu plus jouable que le premier, hein. Il a 5 avis, 3,4. C'est un peu coussi-coussa, tu vois, quand il y a un jeu qui a 3, ça pue. Très clairement, ça pue. Mais on va voir. Donc le jeu s'appelle Voyou, la ville Miami, ville bandit. Ouais. Le jeu, il a actuellement 3,4 sur 5. Comment dire que... Ah, ça pue. Ça pue un tout petit peu. Mais bon, on va voir ça. Il y a des captures d'écran. Donc normalement, dans le jeu, ça doit être comme ça. Il y a une voiture qui vole. Mais tout se passe bien, non, tout se passe bien, t'inquiète. Donc les potes, nous voilà directement sur l'interface de Tech City Miami. C'est le même jeu que je vous ai montré juste avant, mais sauf qu'il n'a pas le même nom. Hein. On va savoir pourquoi. Alors, de ce que je peux voir, en premier lieu, c'est qu'il y a un petit truc qui bouge. C'est supprimer la pub. Ça veut dire que c'est un jeu rempli de pubs. Plus de jeux, restore, ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire jouer, hein. Let's go. New game, hein, nouvelle partie. Alors attends, on a dit copie, mais pas plagie, ouais, non, parce que moi, si je regarde la tête du personnage, c'est exactement la même que sur les GTA, hein. Par contre, c'est un footballeur américain? Non, parce qu'il a des épaules plus grosses que sa tête. J'imagine qu'il y a différents personnages qu'on peut choisir. Ah, il a mis lui, la tête, c'est exactement la même. Alors maintenant, du coup, c'est certifié, validé, c'est sûr. Lui, c'est pareil, c'est sûr, sûr et certain. Et il y a lui. Ah bah du coup, on va prendre celui-là à 0€, hein. Voilà, hein. Allez, c'est parti. Waouh. Ouais, nice, beau gosse. Hey Michael, it's really good to see you. You, oui, ouais, tu sais quoi, venons. Bon, nous on est là pour du gameplay, on n'est pas là pour faire de l'histoire là, c'est bon. Hein. Il est fou celui-là. Alors, nous voilà dans la ville. Alors, comment ça se. Putain, il a fait de la muscu lui, hein. Le déplacement. Par contre, elle est un peu disproportionnée la ville, hein, je sais pas vous. Attendez. Bon, je perds pas de temps. Si je dois prendre le véhicule, vas-y. Par contre, comment on fait pour couper la radio? Change de son. Ouais, il y a les flics. Yay. Par contre, comment je fais? Je suis bloqué. Allô. C'est bon. Ouah, mais c'est injouable. Attendez, je descends de là, moi. Ouah, mais c'est injouable. Eh, monsieur, comment ça se fait qu'un jeu comme ça peut exister, s'il vous plaît? Réponds-moi. Tu peux me... Attends, je vais taper devant le flic. Tiens, regarde. Eh, mais il est fou, celui-là. Tellement, il m'a donné des frissons. Il sort une arme comme ça devant moi, lui. Mais il est malade. Mais attendez. Madame, une femme sur une moto, c'est un peu dangereux. Est-ce que vous pouvez me donner votre moto, s'il vous plaît? Please, my... Putain, non mais... Allez. Est-ce que je vais pouvoir... Ok, bah il a fallu qu'il y ait des pas pour qu'on puisse rouler, ok. Ok. Donc là, on est dans une moto, ça. Ça, c'est une moto, ça. Ok. J'ai l'impression que du coup, la moto, c'est déjà plus simple à conduire qu'une voiture. Donc là, il m'a l'air d'y avoir une sorte de pont. Ou une sorte d'autoroute. Ouais, c'est une sorte d'autoroute. On peut pas bouger la caméra. La caméra, elle est... ça me rappelle d'ouf les premiers jeux sur PS1. Oula. Ouais, par contre, l'autoroute, moi je compte pas me barrer dans le sud là. Hein. Ok, on va aller dans la ville. Ok. Pourquoi il s'est coupé lui? Au niveau du personnage, on peut sauter, ok. Donc là, la caméra, elle est libre. Hein. C'est que en véhicule, elle est fixe. S'accroupir. What the?
C'est moi ou je suis plus rapide que le véhicule là? Ouais monsieur, au calme, je prends le véhicule en train de rouler. Y'a que niveau graphique, ouais ça peut passer. Ok, donc c'est plutôt jouable. Mais bon. Ah, y'a des bateaux. Y'a des bateaux. Alors. What? Ok. Vous pensez que si je tombe dans l'eau, je meurs ou pas? En vrai, j'ai pas envie de tester. J'ai pas envie de tester. You serious? J'étais si proche du but. Donc déjà, on peut pas aller dans l'eau. Sinon, c'est la mort. Bonjour madame. Vous avez un bateau à prêter? Non? Ok. Allez, nous revoilà encore au point de départ. Dernière fois, hein, sinon après j'abandonne. Hein. What? Pourquoi mon personnage tape des marches arrière quand je saute? Ouais, c'est beau, ça m'a saoulé. Donc les potes, nous voilà directement sur le troisième jeu qui s'intitule Virtual Gongster. Et du coup, il n'y a pas encore d'avis. Ok. En vrai, mais elle a l'air d'être stylée. Hein. Bon, j'avoue, ça fait un peu cartoon la tête des personnages, mais voilà, t'es goûté, on est parti, let's go. Vas-y, on passe au jeu suivant, là, allez, let's go. Donc les potes, nous voilà pour le quatrième jeu qui s'intitule Woto Gangster. Donc là également, il y a des screens, ok, et des combats, ok, bon on va voir tout ça. Il est noté 3,1 sur 8 notes, ok, allez, on part, c'est parti, let's go. Donc ça a été développé par Double Mobile. Ah ouais. Ah mais attends, on peut choisir. Ah ouais, beau gosse. Écoutez, je crois qu'on va partir sans lui, hein. Allez. Ok, la petite introduction. Je sais pas si vous entendez parce que le son du jeu, il est tout petit, hein. Là, j'augmente le son de la tablette. Là, vous devez l'entendre. Ok, la petite introduction du jeu au calme. People, c'était. Oh, on sent que je suis sur une PS1, là. Ok. Ok, donc là je suis dans une voiture, je dois aller à un point. On va voir ça. Hein. Putain, c'est pas ce véhicule qui va se braquer. Hein. Mais moi j'ai pas envie de faire les missions en fait. Mais attendez, pourquoi ils mettent les gens en point rouge? Ah, il faut que je les tue pour gagner de l'argent? Ah, bah je crois que c'est le premier jeu où je dois tuer des gens pour gagner de l'argent. Ok. Ouais, ça va, c'est pas mal. Par contre, tous pareils. Hein. Attendez. Un coup, deux coups, trois coups. Ah, il y a les flics. Bah voilà. Là, on aura de l'action. Là, il y aura de l'action. Non, il n'y a pas d'action. Non, bah non, il n'y a pas d'action. Ok. Ok, tiens, merci. Attendez. Hop. Cherche la merde. Vas-y. Ah, il n'y a personne qui descend du véhicule. Attendez, si je fais ça. Attends, tu vas pas me dire que quand il sort du véhicule, il meurt directement. Arf. Oh, merde. Ah. Là, on peut interagir avec de la hauteur ou pas? Non, on peut pas. j'en ai pas besoin. Ok, shop. Ok, les vêtements, des items, ok. Ok, bon. Le jeu, il est horrible. Non, le jeu, il est horrible. Les potes, écoutez, on va au prochain jeu. C'est parti, let's go. Ok, donc les potes, nous voilà maintenant pour le cinquième jeu qui, lui, s'intitule Real Mafia Vegas Crime Ville 3. Non, je sais pas ce qu'ils ont les développeurs, mais bon. Alors, il y a des screens. Encore une fois, il y a des screens. C'est mal, lui, sa tête, il fait le poisson rouge. En vrai, les graphismes pour un jeu mobile, ils peuvent passer si c'est vraiment comme ça dans le jeu. Bah, écoutez, on va voir ça. Ok, les potes, donc nous voilà directement dans l'interface. Alors, on peut changer de skin. Ok, donc soit t'es un gangster, soit t'es un... Voilà. Comment on fait pour quitter? Select. Ok, mode, ok. Ok, là où mon nombre de dollars, y'a rien. Go to city, hein. Ok, donc la pub, elle est terminée. Donc, il y a différents choix. La carrière, soit la free room. La carrière, j'imagine, ça doit être l'histoire et la free room. Du coup, ça va être un mode libre. Écoutez, nous, on va pas faire le mode carrière, on va faire le mode free room. C'est parti, let's go. Complète, level of car... Ah, putain, faut faire des trucs en carrière. Ok, donc on va faire, du coup, on va faire le premier. Non, là, je veux bien, mais ça fait même pas 5 secondes que j'étais sur l'affichage et tu me mets déjà des pubs. Ok. Je sais pas si c'est une mise en scène. Si, c'est une mise en scène, ok.
Ah, lui, il a un peu trop mangé hier soir. Oh, la poucave. Oh, la poucave. Demain, une cinématique et tout. Hello. Hey, boys. I've found them. Ouais, par contre, moi et l'anglais, vous me connaissez. Hein, hein. Mais non. Mais non, il a tué la meuf. Oula, 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 oula. Mais non, ils ont tué la... Ils ont tué ma pote. Je vais me venger. Je vais me venger. Déjà, niveau graphisme, je trouve qu'on est quand même mieux que les précédents jeux. C'est pas le top, mais on est quand même mieux. Je sais pas ce que je dois faire. Est-ce qu'on peut... Ok, on peut sauter. On peut taper. Est-ce qu'on peut grimper au-dessus des éléments? On ne peut pas, ok. Il y a des PNJ. Bah, écoute, on va faire ça, hein. On va utiliser ce mode pour se balader sur la carte. Hein, si. Ah, pour qu'on puisse voir ça, là. La carte. On peut pas cliquer. Non, on peut pas cliquer sur la carte, ok. Pause. Arf. Ok. Donc, si tu fais pause, t'as une pub. Bon, bah, je suis arrêté de pause, hein. Mais comment voulez-vous que... Qu'est-ce que je dois faire, là, en fait? Hop, 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 hop. Que tout le monde descende, s'il vous plaît. Donnez-moi votre véhicule. Elle est pas sûre, la meuf. Bon, tapis. Moi, je vais le laisser, tant pis. Hein. Je vais le laisser. Pas une voiture, là. Il y a que des motos, quoi, là. Par contre, les gens qui ont mis 4, je sais pas ce qu'ils ont vu. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans le jeu. Ah ouais, genre, il y a un compteur. Ah ouais, j'avais pas vu ça, attendez. Oh ouais, beau gosse. Ok. Oh, attendez, j'ai vu. Mais non, genre. Genre, première personne. Mais genre. Putain, c'est stylé quand même. Non, franchement, c'est stylé. Là, je vois un véhicule, là. Hop, 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 hop. Test de taxi, s'il vous plaît. Test de véhicule. Merci. Bonne journée, au revoir. Ok. Voir ce que ça donne niveau véhicule. Oh, le rond-point, le rond-point, le rond-point. Le rond-point serré pour le genre français. On va passer sous le tunnel. Le genre français qui passe sous le tunnel. Le genre français qui voulait passer sous le tunnel, mais qui a loupé son tunnel. Il ne sait vraiment pas piloter. Si on va dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Arf, et si je tourne du véhicule? Ok. Ok. Je crois que les jeux mobiles m'ont jamais autant fatigué que cela. Non, parce que non seulement ça pique les yeux, et non seulement tu comprends rien. Comment ça peut sortir ce genre de jeu, quoi? Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous attends dans la barre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Si vous me dites que tous les jeux ils sont pourris... Et je comprendrai bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher le pouce bleu si au moins la vidéo vous a plu, hein, pas les jeux mais la vidéo. Et puis écoutez les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur jeux mobile bien sûr, c'était Psytrag. Bye bye. Wouh.